Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent le coup de cœur. Et aujourd'hui, c'est Antonio Pinheiro, né le 29 mai 1957 au Portugal, à Vila Nova de Foucauza. Il arrive en France à l'âge de 7 ans avec ses parents, où il suit une scolarité jusqu'en 5e. Il aime étudier le français où il excelle dans cette matière. Passe un CAP pour devenir mécanicien ajusteur, fait son service militaire. Puis il travaillera pour Michelin. Père de deux garçons, la poésie lui est venue en s'amusant, en faisant des jeux de mots, puis s'ensuit des textes, ce qui fait d'Antonio un poète d'aujourd'hui. Malgré la maladie de Parkinson, par sa poésie, Antonio exprime ses émotions, ses joies, ses peines dans ses textes. En outre, il aime le domaine des arts, le dessin, la peinture, l'écriture et la photographie. Et voici maintenant. Chaos annoncé. Vivre entre ciel et terre, dans un horizon dévasté, tombent les hirondelles, symbole de liberté. Cette folie guerrière qu'un homme a imposée à la masse populaire sur mensonges répétés, se nourrit des terreurs par des actes meurtriers et détruit sans remords des villes et leurs cités. Dictateur cruel que la folie a gagné, jouit d'un pouvoir mortel pour toute l'humanité. Et voici le deuxième poème. Les nuits sans sommeil, fenêtre ouverte à l'embrasure restreinte, ouverte béante où s'engouffre le vent, un vent grondeur qui attise mes craintes, déchire mes sens, glace mon sang. Regard fixe sur ce mur qui m'oppresse, aux peintures craquelées, jaunies par le temps, lumière s'estompe, la solitude me stresse. Fermer les yeux, m'endormir en souffrant, griffer, acérer, né de mes angoisses. De douloureux souvenirs exaltent mes tourments. La nuit sans fin me jette sa naze. Cruelle lassitude où ma raison se rend. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.